Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Après des tirs dans certains camps militaires et le bouclage de certains axes et lieux stratégiques, dont la télévision nationale, la situation reste confuse à Ouagadougou en cette matinée du vendredi 30 septembre 2022. La RTB a de nouveau interrompu ses émissions vers 9h30 après les avoir brièvement reprises. Le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgaud, que nous avons joint au téléphone à 11h, dément avoir été arrêté. Le premier ministre Albert Ouédraogo non plus, contrairement à ce que certaines rumeurs sur les réseaux sociaux ont rapporté. Le président d'Amiba serait en train de négocier avec les soldats qui ont déclenché un mouvement de grogne au sujet de leur prime. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés et scotché à la chaîne. Partagez avec vos amis, famille et connaissances si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien.